Lolita Cabrel, quand tu viens sur les réseaux sociaux dans l'intention de ternir l'image de l'autre pour te faire un nom, sache que tu vas rencontrer des gogors des réseaux sociaux qu'on appelle les gars comme les Franco le Mignon. Alors, Lolita, premièrement, comment tu peux nous faire croire que tu as 19 ans avec ce genre de français, tu t'exprimes comme Franco? Pourtant, tu dis que tu es un master 2. Ça ne s'explique pas. Déjà, tu as 29 ans. Tu as menti à l'opinion publique que tu as 19 ans. Vous êtes 5 dans votre famille, non? 3 filles et 2 garçons. Tu as 29 ans. Ta petite soeur a 24 ans. L'autre petite soeur. Et toi, tu as un premier enfant de 6 ans. Donc, pour que tu as monté à Pifo pour pouvoir tenir l'image de Pifo là. Ça ne va pas marcher. Soyez un peu clair dans ce que vous faites. Ce n'est pas pour dire que je soutiens Pifo dans ces trucs qu'il est en train de faire ou bien qu'il a fait. Non. Pifo n'est même pas au courant de la vidéo. Si lui, il va découvrir la vidéo. Déjà, tu es venu chez ta soeur, chez Gâteau International, avec ta copine, se la présenter comme ta soeur. C'est ta copine, ce n'est même pas un membre de ta famille. Mais on a tous les fax. Quand vous venez sur Facebook, là, sachez qu'il y a des anciens. Les rococos de Facebook commencent d'abord par dire la vérité. T'es-tu que tu montes pour vouloir déstabiliser Pifola? Nous, on a tout le farce. Hein? Je ne veux pas venir ici là exposer les problèmes de ta famille, machin. Non. Je parle uniquement de toi. Et après cette vidéo, je vais vous montrer une vidéo où on coupe le signe de cette petite fille pour 30 000 francs. Master 2, 29 ans. Pour 30 000. On coupe ton signe. Je vais vous présenter la vidéo là. Comment ça va pas présenter les vrais membres de ta famille? Si tu veux me faire semblant même qu'on prenne ton histoire là au sérieux. Tu veux que... Je laisse d'abord comme ça. Si vous continuez vos bêtises là, tout là, on va balancer tout sur la toile. L'histoire de ta petite soeur. Vous comprenez dans la compréhension? Ma fille, quand l'image de quelqu'un passe déjà sur ma page, j'ai son A1. Tu vis à village, en famille, avec tes parents. Mais à Douala là-bas. Mais tu laisses tes parents à la maison. Tu peux prendre ta copine pour venir la présenter comment? Comme ta soeur. Pourtant, ouais, let's go, hein. Tu veux être influenceuse? Non, tu seras influenceuse, ma chérie. Ce n'est pas facile, l'histoire que tu vas engager là. Oui, tu es Semine Chang et Bamedjou. Ouais, elle veut pas seulement étaler tout. Ta petite soit accouchée, ta deuxième petite soit accouchée, non? Ça, si tu accouches encore, ça sera ton deuxième enfant. Toi, tu veux nous embrouiller sur la toile. Que, donc, tu penses que nous... Il a dit que... Soit vous dites la vérité, expliquez-nous les détails de tout ce que vous voulez faire. Là. Ça ne sert à rien de venir chercher à ternir l'image. J'ai dit depuis le début que Pifo, je ne soutiens pas les conneries de Pifo. Parce que moi, je ne fais pas ce genre de choses. Donc, je dis juste que celle qui veut venir montrer qu'elle est un pasteur là, tu as choisi la mauvaise voie. Tu es venu sur les réseaux sociaux, on va tout étaler sur les réseaux sociaux. Faites gaffe. Vous comprenez? J'ai tout le fax, hein. J'ai déjà tout dans le bidon, fermé. Donc si vous faites vos désordres, vous faites là, j'ouvre, pam, ça expose. Donc quand vous venez sur Facebook là, dites la vérité. Ne cherchez pas à tenir l'image de l'autre. Ou tu veux être influenceuse, ou tu... Non, c'est pas la bonne manière si tu veux être influenceuse. Regardez, hein, regardez attentivement. La vidéo de celle-là qui dit que Pifo a mis l'enfant et vouloir fuir. Oh patati patata. Écoutez bien sa vidéo, on coupe son signe pour 30 000. Et présente d'abord, va encore ce gâteau international avec les membres de ta famille. Ne prends plus tes camarades, tes copines pour venir présenter que c'est ma soeur. Quelle soeur? Toi, tu prends un sac sur le sac de voyage. Nous sommes trop bêtes ou quoi? Regardez la vidéo, les amis. Et ça va péter. Vous attendez? Ça le fouille. Wow, venez. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Ok. Pour 30 000 francs CFA, tu peux accepter que je te coupe le string. Oh. Même si c'était 10 000, j'accepterais. Mais les temps sont trop durs. Quoi? Même si c'était 10 000, j'accepterais. Mais les temps sont trop durs. Eh, alors, on a souffert. Ha! Ah, vraiment le Cameroun. Qu'est-ce que vous parlez? Coucou princesse. Coucou. Tu vas bien?
Je vais bien et toi? Ça va. Princesse, dis-moi, tu sors d'où, comme ça? Bon, je sors de mes marches, je fais un tour de rentrée chez moi. Ok. On va laisser rapidement, princesse. Dis-moi, c'est quoi ton fantasme? Mon fantasme? Oui. J'aime quand on verse le sperme dans ma bouche. Ah bon? Ah oui, c'est mon fantasme. Ça me donne un arrière-goût, là, tu peux pas imaginer. Très intéressant. Chérie, dis-moi, c'est quoi ta position préférée? Position 74. Catherine, tu peux répéter s'il te plaît? Position 74. Mon frère. 74? Ah oui. Et je sais pas, est-ce que tu peux un peu expliquer la position s'il te plaît? Bien sûr, je peux. Juste, tu te retournes comme ça. Allez, retourne-toi. Voilà. Comme ça? Oui. Et quand je me lève légèrement, j'envoie le dos. C'est ça la position 74? Oui, et je peux descendre un peu et je vous montre. Très intéressant la position, vraiment. J'ai kiffé. Hein? Aïe. Et tu es célibataire ou tu es en couple? Un peu en couple, un peu célibataire, donc, au milieu. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Très, très intéressant. Dis-moi, princesse, est-ce que tu simules souvent pendant l'acte? Waouh, c'est la partie la plus importante. Tu le fais? Ah oui. Vas-y, alors juste 30 secondes de simulation pour mes spectateurs, les manakéliens qui sont en train de nous regarder actuellement. Mm. Ah bébé, c'est moi. Ah bébé, embrasse-moi. Oh, tiens mes cheveux bébé. Tiens alors. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Oh bébé, c'est bon. C'est mon faux. Arrache mes dents même. C'est mon faux. Arrache mes dents même. Arrache mes dents même. Pourtant les gens se plaignent. On va lui juger. Ok. Wow, tu es très sérieuse. Hein? Très, très, très sérieuse. Ok, princesse, j'ai une dernière chose à te demander. Est-ce que pour 30 000 francs CFA, tu peux accepter que je te coupe le string? Même si c'était 10 000, j'accepterais, mais les temps sont trop durs. Ça veut dire que t'es intéressée? Très intéressée. Ok. 30 000 francs CFA. Arrête mon micro, s'il te plaît. Dégage là-bas devant moi. 9 mois de souffrance dans mon ventre. Vous devenez ça. Je t'ai dit que 9 mois perdus. 9 mois dans l'eau. 1, 2, 3. 30 000 francs CFA devant les manakéliens. Je coupe son string devant vous. Ça va? Oui, ça va. Ok. Mais ça va péter. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Ok. Très intéressant. Ok. Très, très intéressant. Voilà, donc les manakéliens, pour 30 000 francs CFA, je viens de couper son string. Bon, chérie, est-ce que tu peux donc retirer le string, s'il te plaît? Ah, bien sûr, je peux. Vas-y. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec cette fameuse somme d'argent de 30 000 francs CFA? Oh là là, je vais m'acheter une perruque et manger d'abord une bonne viande en rentrant. Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Une perruque et manger d'abord une bonne viande en rentrant. Vous aimez voir avec les yeux? C'est le fruit de mon travail. C'est le fruit de mon travail. Ah, vraiment le Cameroun. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.